Entrer dans le monde glaçant, où des enfants sans pitié existent au-delà de la fiction. Des frères Bever à Mary Bell, les jeunes auteurs d'horreurs inimaginables, ne montrant aucun remords pour leurs actes odieux, sont légion. On a beaucoup parlé de leur identité et de leurs actes. Certains d'entre nous aimeraient savoir où ils sont aujourd'hui et ce qu'ils font. Dans cet épisode, nous allons vous raconter ce qui arrive aux enfants les plus dangereux en prison. Les frères Bever. En juillet 2015, un surprenant appel au 911 en fin de soirée a conduit les autorités de Broken Arrow, dans l'Oklahoma, à découvrir une scène de crime extrêmement horrible. Dans la résidence, ils sont tombés sur 5 corps sans vie et une adolescente qui s'accrochait désespérément à la vie. Robert et Michael Bever ont assassiné 5 membres de leur propre famille avant d'être arrêtés. David Bever, 52 ans, employé dans le service informatique d'une entreprise, était un homme réservé, marié à April, 44 ans. Le couple avait 7 enfants au total. Daniel, 12 ans, Christopher, 7 ans, Victoria, 5 ans, Crystal, 13 ans à l'époque, et Autumn, environ 2 ans, en plus des adolescents Robert et Michael, les tueurs. La famille était très croyante et avait choisi de scolariser ses enfants à domicile. Leur maison était située dans le quartier de Broken Arrow, en Oklahoma. Les voisins décrivent les Bever comme une famille qui préserve largement sa vie privée. Cette nuit-là, après l'arrivée de la police, les autorités ont observé des traces de pas récentes s'éloignant de l'arrière de la maison et ont fait appel à une unité K9 pour suivre l'odeur. Cette piste les a conduits à Robert Bever, 18 ans, et à son frère Michael, 16 ans. Après avoir été hospitalisé et soigné pour ses blessures, Crystal a communiqué avec la police. De manière choquante, Crystal a impliqué ses frères, Robert et Michael, dans les agressions. Par la suite, il a été révélé que l'appel au 911 avait été passé par Daniel, qui a été tué peu de temps après avoir passé l'appel. Bien que Robert et Michael aient été placés en garde à vue, la police n'était toujours pas sûre de ce qui s'était passé. Lors de témoignages ultérieurs, Robert a révélé que les deux frères avaient souvent souffert de solitude, passant des mois sans quitter la maison. Il a affirmé que David et April lui avaient inculqué la croyance que le monde était rempli d'individus qui avaient l'intention de leur faire du mal. En outre, Robert a accusé son père de les avoir soumis à des violences physiques pendant 16 années de formation. Il a également raconté avoir eu l'idée de tuer ses parents en raison des mauvais traitements qu'il aurait subis. Selon Robert, ils ont tué leurs parents parce qu'ils ont eu des enfants principalement pour des raisons financières et qu'ils ne leur ont jamais témoigné une véritable affection. Robert, qui avait une fascination morbide pour les tueurs en série, avait prévu de créer 2 vidéos après l'assaut, une pour les autorités et une autre destinée à être téléchargée sur YouTube. Après leur arrestation, Robert a fait des aveux aux forces de l'ordre, divulguant les détails horribles de l'incident. L'attaque avait été méticuleusement planifiée et était motivée par leur aspiration à la notoriété. Ils souhaitaient que les meurtres les propulsent à un niveau d'infamie dépassant même celui des auteurs du massacre du lycée Columbine. Robert et Michael avaient orchestré un plan qui ne se limitait pas à tuer les membres de leur famille. Leur sinistre projet consistait à acquérir des munitions en ligne et à se lancer dans un carnage dans des zones peuplées, en ciblant sans discernement des personnes qui ne se doutaient de rien. Fait troublant, Robert a révélé que leur sinistre complot incluait même le meurtre et la décapitation de leurs frères et sœurs de 2 ans. Cependant, ils n'ont pas été en mesure de mettre leur plan à exécution après l'arrivée de la police. Au cours de la procédure judiciaire, Robert a déclaré qu'il était le responsable des coups de couteau, affirmant qu'il n'avait jamais vu Michael se livrer à des actes de violence. Il a déclaré « Je ne nie pas que nous avons agi ensemble, mais nous avons agi chacun à notre manière. » Finalement, Robert Bever a plaidé coupable de 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef d'accusation de coups et blessures avec intention de tuer. En septembre 2016, il a été condamné à plusieurs peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le 17 juin de la même année, Robert Bever aurait tenté de se suicider. Selon Casey Roebuck, porte-parole du bureau du shérif du comté de Tulsa, lors d'un contrôle de sécurité de routine, Robert a tenté de se pendre avec son drap de lit. Le personnel médical l'a découpé et l'a réanimé pour s'assurer qu'il allait bien. Il a ensuite été placé sous surveillance anti-suicide. En avril 2018, Michael a été jugé, et le témoignage de Robert a joué un rôle essentiel dans la constitution du dossier d'accusation. Par la suite, Michael a été reconnu coupable de 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef d'accusation supplémentaire d'agression avec intention de tuer. En août 2018, il a été condamné à 5 peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité, assorties d'une possibilité de libération conditionnelle, ainsi qu'à une peine supplémentaire de 28 ans pour l'accusation d'agression. Michael purge actuellement sa peine au centre d'évaluation et de réception de Lexington, situé dans le comté de Cleveland, en Oklahoma. En prison, Robert n'a pas beaucoup changé. Le 15 juillet 2023, il a tenté d'attaquer 2 membres du personnel du Joseph Harp Correctional Center. Vers 16h30, il se trouvait dans la salle de jour de la prison, où travaillaient également un psychologue et un travailleur social. Il s'est approché d'eux par derrière avec un instrument aiguisé.
l'assistante sociale a immédiatement réussi à le désarmer en le serrant dans ses bras. Heureusement, personne n'a été blessé. Toutefois, d'après ce nouveau développement, il ne serait pas surprenant qu'il passe plus de temps en prison. Comme si 5 condamnations à perpétuité ne suffisaient pas. Faisons en sorte qu'il y en ait 7. Mary Bell. En 1968, les médias britanniques ont été saisis par une atrocité inimaginable. Une fillette de 11 ans, Mary Bell, avait étranglé 2 garçons plus jeunes qu'elle et risquait maintenant d'être condamnée. Ces actes lui vaudront une peine de 12 ans de prison pour la mort de Martin Brown et de Brian Howe. Le 25 mai 1968, le lendemain de son 11e anniversaire, Mary Bell a étranglé à mort Martin Brown, âgé de 4 ans, dans une maison abandonnée. Avec une amie nommée Norma Joyce Bell, aucun lien de parenté, Mary a laissé des notes incriminantes dans une crèche, avouant ouvertement sa culpabilité. Les autorités ont d'abord considéré ces notes comme une farce. 2 mois plus tard, Mary, en collaboration avec Norma, a répété cet acte horrible, cette fois-ci en tuant le petit Brian Howe, âgé de 3 ans. Pour intensifier l'horreur, Mary est revenue sur les lieux pour graver un M dans l'abdomen de l'enfant. Elle l'a ensuite mutilé avec des ciseaux. Ces événements tragiques se sont déroulés à Scotswood, une banlieue de Newcastle-upon-Tyne, dans le nord-est de l'Angleterre. Avant de les tuer tous les deux, Mary informait les victimes qu'elles avaient mal à la gorge. Elle les massait ensuite avant de les tuer. La mère de Mary Bell, Elizabeth Betty Bell, née McCricket, était une prostituée locale bien connue, qui était la plupart du temps absente. Elle se rendait fréquemment à Glasgow pour travailler, laissant ses enfants à la garde de leur père lorsqu'il était présent. Betty n'avait que 17 ans lorsqu'elle a donné naissance à Mary. Il est intéressant de noter que l'identité du père biologique de Mary reste un mystère. Bien qu'on lui ait fait croire pendant une grande partie de sa vie que William Billy Bell, un alcoolique violent et un criminel invétéré, était son père, la véritable paternité de Mary est incertaine. Toutefois, William Bell a épousé sa mère alors que Mary n'était encore qu'un nourrisson. Le début de la vie de Mary est marqué par un sentiment d'abandon et de négligence. Sa tante, Isa McCricket, se souvient qu'immédiatement après la naissance de Mary, Betty était irritée lorsque le personnel de l'hôpital tentait de placer le nouveau-né dans ses bras, s'exclamant « Éloignez cette chose de moi !» Malgré la négligence et les mauvais traitements évidents, Betty a toujours rejeté les offres de sa propre famille de prendre la garde de Mary. Des rapports suggèrent que Betty, qui exerçait le métier de dominatrice, aurait présenté Mary à certains de ses clients, les encourageant ou les autorisant à abuser sexuellement d'elle au cours de séances de sadomasochisme vers le milieu des années 1960. Les deux jeunes filles ont été inculpées de 2 chefs d'accusation pour homicide involontaire. Norma a été acquittée, mais Mary a été condamnée à une peine d'une durée indéterminée. Après son arrestation, Bell a d'abord été détenue dans une maison d'arrêt à Durham avant d'être transférée dans une autre maison d'arrêt à South Norwood. Début 1969, elle est transférée à l'unité sécurisée de Red Bank, un établissement pour jeunes délinquants situé à Newton-le-Willows, dans le Merseyside. Dans cet établissement, elle était la seule femme détenue parmi environ 24 hommes. Pendant son séjour à Red Bank, Bell a affirmé avoir été victime d'abus sexuels de la part d'un membre du personnel et de plusieurs co-détenus, ces abus ayant commencé alors qu'elle n'avait que 13 ans. Plus tard, en novembre 1973, à l'âge de 16 ans, Bell a été transférée dans une aile sécurisée de la HM Prison Steel dans le Cheshire. Bell s'est opposée à ce transfert et n'aurait pas aimé ce nouvel établissement. Pendant son incarcération, elle a cherché à obtenir une libération conditionnelle, mais ses tentatives ont été infructueuses. Cependant, en juin 1976, sa situation a pris un nouveau tournant lorsqu'elle a été transférée à la prison ouverte de Moorcourt. Là, elle a participé à un cours de secrétariat. Environ 15 mois plus tard, en septembre 1977, Bell a de nouveau attiré l'attention nationale lorsqu'elle s'est évadée de la prison ouverte de Moorcourt avec une autre détenue nommée Annette Priest. Au cours de leur évasion, les deux femmes ont passé plusieurs jours en compagnie de 2 jeunes hommes à Blackpool, faisant ce qu'elles voulaient et s'amusant. Bell a pris le pseudonyme de Mary Robinson pendant cette période. Finalement, Bell a été appréhendée le 13 septembre au domicile de l'un des jeunes hommes, Clive Shurtcliffe, dans le Derbyshire. Elle s'était alors teint les cheveux en blond pour tenter de modifier son apparence. Le soir même, elle est remise en détention et Priest est arrêté à Leeds quelques jours plus tard. La punition de Bell pour son évasion a été la perte des privilèges de la prison pendant 28 jours. En 1980, à l'âge de 23 ans, Mary Bell est enfin libérée. Elle se voit accorder une nouvelle identité et, 4 ans plus tard, devient elle-même mère. Cependant, sa fille est restée dans l'ignorance du passé de sa mère jusqu'à ce que leur localisation soit découverte par des journalistes en 1998. Les lentilles indiscrètes des médias étaient tellement braquées sur elle que Mary Bell et sa fille ont été obligées de fuir leur résidence en se couvrant le visage de drap dans une tentative désespérée d'échapper à la presse. Initialement, l'anonymat de la fille de Mary devait la protéger jusqu'à 16, 10, 8 ans. Toutefois, en 2003, une victoire juridique devant la Haute Cour a permis d'étendre cette protection,
garantissant ainsi l'anonymat à vie. 6 ans plus tard, on apprenait que Mary Bell était devenue grand-mère. Tout au long de sa vie, la présence de Mary dans les médias a suscité d'intenses débats. Alors que certains l'aperçoivent comme une femme s'efforçant de réparer les torts causés par son passé trouble, d'autres s'alignent sur les familles des victimes, accusant Mary de tirer profit de ses crimes. En 1998, Mary Bell a collaboré avec l'auteur Gita Sereny et a contribué à son livre intitulé « Cries Unheard, The Story of Mary Bell ». Cette collaboration avait pour but de relater les expériences de vie de Mary Bell avant et après Essay Crime. Le livre entre dans les détails de l'enfance de Mary Bell, mettant en lumière l'étendue des abus qu'elle a subis de la part de sa mère, qu'elle qualifie de dominatrice, en raison de son implication dans la prostitution. Mary Bell affirme en outre qu'elle a été victime d'abus de la part de plusieurs clients de sa mère. Le lieu où se trouve actuellement Mary Bell est entouré de mystères, protégé par l'ordonnance de la Haute Cour de 2003 qui garantit son anonymat. Fait notable, Mary Bell ne clame pas son innocence dans la condamnation et reconnaît ouvertement que les abus traumatisants qu'elle a subis pendant son enfance ne peuvent servir de justification à ses actes criminels. Ce point de vue est partagé par l'auteur Gita Sereny, qui s'est penché sur l'histoire de Bell. Eric Smith. À seulement 13 ans, ce jeune a déjà commis un acte de brutalité inimaginable. Eric Smith, qui était un solitaire, était souvent tourmenté par des brutes parce qu'il avait des oreilles décollées, de grosses lunettes, des cheveux roux et des taches de rousseur. Le 2 août 1993, dans la petite ville de Savona, dans l'État de New York, il a commis un acte horrible. Sa victime, Robbie, âgée de 4 ans à l'époque, vivait dans un autre quartier de la ville. Dans la matinée, Smith a repéré l'enfant qui se dirigeait seul vers un parc où se tenait un camp d'été. Il a attiré Robbie dans une zone boisée, où il l'a étranglée, lui a fait tomber une grosse pierre sur la tête, puis l'a sodomisée à l'aide d'un bâton. Smith a ensuite pris du Kool-Aid dans la boîte à lunch de Robbie et l'a versé sur les plaies ouvertes de ce dernier. Les enquêteurs ont déterminé que la cause du décès était un traumatisme contondant et une asphyxie. Dans les jours qui ont suivi, Marlene Haskell, une amie de la famille Smith, a commencé à s'inquiéter du comportement de l'adolescent de 13 ans. Elle a raconté que l'adolescent lui avait posé des questions troublantes sur la possibilité que le tueur soit un enfant. Madame Haskell se souvient également qu'il se rendait régulièrement dans le parc, situé à proximité de la scène de crime, ce qui l'a amené à penser qu'il pouvait savoir quelque chose ou avoir été témoin de quelque chose. À 11h du matin, la mère de Robbie est retournée au parc pour récupérer son fils, mais on lui a répondu que Robbie n'était jamais arrivé. Le corps de Robbie a été retrouvé après 4 heures d'enquête. 6 jours plus tard, le 8 août 1993, Smith avoue à sa mère qu'il est le meurtrier. Le soir même, la famille informe la police. L'affaire a fait la une des journaux nationaux en raison de l'âge de la victime et de l'assassin. Smith a été soumis à des tests médicaux approfondis, mais aucune anomalie physique ou hormonale n'a été trouvée pour expliquer son comportement violent. C'était un solitaire qui était souvent malmené en raison de son apparence physique. Un psychiatre de la Défense a diagnostiqué chez lui un trouble explosif intermittent, une maladie mentale qui provoque un comportement violent et imprévisible. Cependant, l'expert de l'accusation a déclaré que ce trouble est rarement observé chez les enfants de l'âge de Smith. Le 16 août 1994, Smith a été reconnu coupable de meurtre au second degré et s'est vu infliger la peine la plus sévère prévue à l'époque pour les délinquants juvéniles, un minimum de 9 ans d'emprisonnement à perpétuité. Pendant qu'il était derrière les barreaux, Smith a profité de l'occasion pour exprimer publiquement ses remords, en lisant une lettre d'excuses à la famille de Robbie lors de retransmissions télévisées. « Je sais que mes actes ont causé une perte terrible dans la famille Robbie, et j'en suis sincèrement désolé. J'ai essayé de penser autant que possible à ceux que Derek ne vivra jamais. Son 16e anniversaire, Noël, n'importe quand, posséder sa propre maison, obtenir son diplôme, aller à l'université, se marier, avoir son premier enfant. Si je pouvais remonter le temps, j'échangerais ma place avec celle de Derek et j'endurerais toute la douleur que je lui ai causée. Si cela signifiait qu'il continuerait à vivre, je changerais de place, mais je ne peux pas. » En conclusion de sa déclaration, M. Smith a exprimé son incapacité à accepter la perspective d'une vie confinée par des murs, des fils de rasoir et des barres d'acier. Il a également présenté ses excuses à Derek Robbie lors d'interviews. D'abord détenu dans un établissement pour mineurs pendant 3 ans, Smith a ensuite été transféré dans un établissement pénitentiaire ouvert pour jeunes adultes. En 2001, il a été transféré au Clinton Correctional Facility à Danmora, dans l'État de New York, un établissement de haute sécurité. Le 3 mai 2016, le site web de l'administration pénitentiaire de l'État de New York indiquait qu'il était incarcéré à la Collins Correctional Facility, un établissement de sécurité moyenne pour détenus masculins situé dans le comté d'Erie, dans l'État de New York. Son statut d'incarcération a ensuite changé. Le 26 avril 2019, il a été enregistré comme étant détenu au Gowanda Correctional Facility, une prison de moyenne sécurité adjacente au Collins Correctional Facility.
Puis, le 30 novembre 2019, il a été répertorié comme détenu au Woodbourne Correctional Facility, dans le comté de Sullivan. Au fil des ans, les demandes de libération conditionnelle de M. Smith ont été rejetées à 10 reprises entre 2002 et janvier 2020. À la suite de l'audience de 2012, la Commission des libérations conditionnelles a justifié son refus en exprimant des préoccupations concernant la sécurité publique et en tenant compte des objections soulevées par les parents de Robbie au sujet de sa libération. Au cours de cette audience, M. Smith a informé la Commission des libérations conditionnelles de son intention d'éviter de retourner à Savona si la libération conditionnelle lui était accordée, optant plutôt pour un refuge ou une maison de transition. Après avoir passé 28 ans derrière les barreaux, Eric Smith a finalement été libéré sur parole dans le Queens, à New York. Il affirme qu'il s'est transformé et qu'il a droit à une seconde chance, soulignant qu'il a adopté une stratégie globale pour repartir à zéro, notamment en s'engageant auprès d'une fiancée. Néanmoins, des appréhensions persistent dans certains milieux, jetant le doute sur le fait qu'Eric Smith se soit réellement débarrassé de son potentiel de dangerosité. Alyssa Bustamante. Alyssa Bustamante semblait être une adolescente ordinaire chérie par ses amis, qui la décrivait comme douce et étonnante. Cependant, sous sa façade extérieure se cachait une personnalité bien plus sombre, dévoilée par sa présence en ligne. Ce côté sinistre laissait présager l'acte odieux qu'elle finirait par commettre, le meurtre de la petite Elisabeth Holten, âgée de 9 ans. Entre 2002 et 2009, Alyssa Bustamante était sous la garde de ses grands-parents. Sa mère, Michelle Bustamante, avait des antécédents de toxicomanie, ce qui lui a valu des problèmes juridiques et une incarcération. Son père, César Bustamante, purgeait une peine de prison pour agression. En raison des difficultés rencontrées par ses parents, Alyssa et ses trois jeunes frères et sœurs ont été confiés à la garde de ses grands-parents et ont quitté la Californie pour s'installer dans une propriété rurale à St. Martin's, dans le Missouri, près de Jefferson City. Malgré les circonstances tumultueuses entourant ses parents, Alyssa a excellé au lycée. Des notes élevées, A et B. Bien qu'Alyssa Bustamante semble mener une vie normale, grâce à l'environnement stable fourni par ses grands-parents, ses luttes intérieures ne sont pas évidentes. Elle s'adonnait à des activités créatives, comme l'écriture de poèmes, et faisait preuve d'un certain sens de l'humour. Elle participait activement aux activités de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Cependant, tout le monde a été surpris lorsqu'en 2007, Alyssa a tenté de se suicider. Après un séjour de 10 jours dans un hôpital psychiatrique, des antidépresseurs lui ont été prescrits. Malgré les médicaments, Alyssa s'est automutilée en se coupant et en montrant ses cicatrices à ses amis. La personnalité en ligne d'Alyssa Bustamante contrastait fortement avec son comportement dans la vie réelle. Sur Twitter, elle affichait son mépris pour l'autorité et avait publié un message où l'on pouvait lire « Les mauvaises décisions font les grandes histoires ». Sur des plateformes comme YouTube et MySpace, ses passe-temps incluent des termes dérangeants tels que « tuer des gens » et « couper ». Elle a même publié une vidéo sur YouTube dans laquelle elle encourageait ses frères à toucher une clôture électrifiée. Cette dualité entre son apparence extérieure et ses expressions en ligne souligne la complexité du personnage d'Alyssa Bustamante et préfigure l'événement tragique qui choquera plus tard sa communauté. Le 21 octobre 2009, Alyssa Bustamante a transformé ses fantasmes les plus sombres en une horrible réalité. Elisabeth Holten, 9 ans, vivait à 4 maisons de la famille Bustamante. Elle était souvent la compagne de jeu d'Alyssa et de ses frères et sœurs. Le soir fatidique de la mort d'Holsen, sa mère, Patricia Price, se souvient que sa fille l'avait supplié d'aller jouer chez Alyssa. Cette interaction a eu lieu vers 17h, et c'est la dernière fois que Price a vu sa fille vivante. À 18h, Elisabeth étant toujours absente, l'inquiétude croissante de sa mère indique que quelque chose ne va pas. Le lendemain de la disparition d'Elisabeth, des agents du FBI ont interrogé Alyssa et confisqué son journal intime. Au cours de leur enquête, les autorités ont découvert une dépression peu profonde dans le sol derrière la résidence d'Alyssa, ressemblant à une tombe improvisée. Interrogée, l'adolescente a affirmé qu'elle aimait creuser de tels trous. Au cours de l'enquête, une autre tombe peu profonde, dissimulée sous des feuilles, a été découverte sur la propriété des Bustamante. Tragiquement, elle contenait le corps sans vie d'Elisabeth. Alyssa est alors arrêtée et inculpée de meurtre au premier degré. La révélation d'une entrée de son journal intime, d'abord masquée par de l'encre bleue effacée, mais dévoilée par les enquêteurs, a dressé un tableau effrayant de ses véritables pensées. « Je viens de tuer quelqu'un, putain. Je l'ai étranglé, je lui ai tranché la gorge et je l'ai poignardé. Et maintenant, il est mort. Je ne sais pas comment me sentir en ce moment. C'était incroyable. Dès que l'on dépasse le sentiment « Oh my God, je ne peux pas faire ça », c'est plutôt agréable. Je suis un peu nerveuse et tremblante en ce moment. Il faut que j'aille à l'église maintenant. Lol. » Au cours de la procédure judiciaire, Alyssa Bustamante a avoué le meurtre d'Elisabeth Holten. Elle a détaillé la séquence des événements, admettant avoir étranglé, tranché la gorge de la jeune fille et poignardé sa poitrine. Après cet acte horrible,
Alyssa a enterré le corps de sa victime dans une fosse peu profonde, creusée à la hâte près de leur domicile. Alors que l'équipe de défense d'Alyssa a tenté de faire la lumière sur son éducation difficile pour obtenir la clémence, le juge a décidé qu'elle serait jugée en tant qu'adulte, reconnaissant ainsi la gravité de ses actes. Quelques semaines avant le début de son procès, en 2012 pour meurtre au premier degré, qui s'est déroulé un peu plus de 2 ans après le meurtre initial, Alyssa Bustamante a pris une décision cruciale. Pour éviter la peine de mort, elle a accepté un accord de plaidoyer qui réduisait son inculpation à un meurtre au second degré. Dans le cadre de cet accord, elle pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle après avoir purgé une peine de 30 ans d'emprisonnement. Toutefois, en 2014, après avoir obtenu un nouvel avocat, Alyssa Bustamante a fait valoir qu'elle n'aurait pas plaidé coupable en 2012 si elle avait été informée de l'imminence d'un arrêt de la Cour suprême des États-Unis qui aurait une incidence sur le traitement des affaires de meurtre au premier degré impliquant des mineurs. Malgré cette affirmation, le juge chargé de l'affaire a rejeté la demande de nouvelle condamnation. Tout au long de la procédure judiciaire, Patricia Price, la mère endeuillée d'Elizabeth Holten, est restée insatisfaite de la peine initiale. Au cours du procès, Madame Price a qualifié Alyssa Bustamante de « monstre diabolique » et a exprimé sa haine profonde à son égard. Lors d'un moment chargé d'émotion, Price a prononcé un discours puissant et si intense que le juge a dû intervenir et lui demander de s'arrêter. Afin d'obtenir justice, Madame Price a intenté une action en justice pour mort injustifiée contre le meurtrier condamné en octobre 2015. Le procès, qui citait également l'hôpital où Alyssa avait été traitée, a été réglé 2 ans plus tard pour un montant de 5 millions de dollars. Monsieur Price avait initialement cité Pathways Behavioral Healthcare et SA's employés comme défendeurs, affirmant qu'ils auraient dû reconnaître les tendances violentes d'Alyssa et prendre des mesures préventives pendant qu'elle était sous leur responsabilité. L'action en justice intentée contre Pathways a finalement été rejetée par un juge. Malgré les résultats juridiques, la vérité irréfutable reste qu'une jeune fille a perdu la vie à cause des actions imprévisibles et violentes d'une adolescente perturbée. Cet incident tragique nous rappelle brutalement les conséquences profondes qui peuvent découler de telles circonstances. Lionel Tate. Lionel Alexander Tate, né le 30 janvier 1987, a la particularité d'être le plus jeune citoyen américain à avoir été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, bien que cette condamnation ait été annulée par la suite. En janvier 2001, à l'âge de 13 ans, Tate a été reconnu coupable de meurtre au premier degré pour avoir battu Tiffany Eunick, une fillette de 6 ans, dans le comté de Broward, en Floride, en 1999. Le 28 juillet 1999, Tate s'est retrouvé seul avec Tiffany Eunick, qui était sous la garde de la mère de Tate, Kathleen Grosset Tate. Les deux enfants jouaient à l'étage inférieur lorsque la mère de Tate les a appelés pour leur demander d'être plus calmes. Environ 45 minutes plus tard, Tate s'est approché de sa mère, l'informant que Tiffany ne respirait plus. Le corps de Tiffany présentait d'importantes ecchymoses sur les jambes, les pieds et le cou, les preuves suggérant l'utilisation d'une force comparable à celle d'un impact de voiture à grande vitesse. Les autres blessures comprennent une fracture du crâne, une lacération du foie, une côte fracturée et un grave gonflement du cerveau. Les procureurs ont qualifié ces blessures de semblables à celles résultant d'une chute d'un immeuble de 3 étages. Au cours du procès, le juge Joel T. Lazarus du Broward County Circuit Court a condamné Tate à la prison à vie, affirmant que les actes de Lionel Tate n'étaient pas les actes ludiques d'un enfant. Les actes de Lionel Tate étaient froids, insensibles et d'une cruauté indescriptible. Les statuts de la Floride exigent que Tate soit condamné pour meurtre au premier degré, que le jury estime ou non qu'il avait l'intention de nuire. Le facteur déterminant est que Tate a sciemment maltraité un autre enfant, entraînant la mort de ce dernier. Selon les lois de Floride, toute action délibérée qui pourrait raisonnablement entraîner des dommages physiques à un enfant est considérée comme de la maltraitance. Ce principe juridique relève de la règle de l'homicide volontaire, selon laquelle certaines conditions suffisent pour obtenir une condamnation. Le juge Joel T. Lazarus a énoncé les critères nécessaires à l'application de la règle du felony murder au cours de la procédure de détermination de la peine. En conséquence, Tate a été condamné à la prison à vie, sans que l'accusation ne soit obligée d'établir son intention de nuire, sa conscience du potentiel de nuisance ou l'attente raisonnable d'un enfant de son âge de comprendre cela. Les critiques, comme l'illustrent les divers groupes mentionnés dans le mémoire d'Amicus Curiae joint à l'appel de Tate, soutiennent qu'il est inacceptable de condamner des enfants préadolescents pour meurtre au premier degré sans qu'il soit nécessaire de démontrer leur intention de faire du mal, et encore moins de causer des blessures graves ou la mort. La condamnation a suscité la controverse en raison de l'âge de Tate, 12 ans au moment du meurtre, alors que sa victime n'avait que 6 ans. Fait remarquable, il est devenu le plus jeune individu de l'histoire moderne des États-Unis à être condamné à la prison à vie, ce qui a suscité de nombreuses critiques sur la manière dont le système judiciaire de Floride traite les délinquants juvéniles.
À la suite du verdict, le ministère public s'est étonnamment aligné sur la demande d'indulgence de Tate et a même proposé de l'aider à faire appel. Le juge de première instance a reproché à l'accusation de compromettre l'intégrité de la procédure judiciaire contradictoire. Il a en outre souligné que si l'accusation estimait que l'emprisonnement à vie était une solution inappropriée, elle n'aurait pas dû retenir l'accusation de meurtre dans un premier temps. En janvier 2004, une cour d'appel au niveau de l'État a annulé la condamnation de TT, invoquant l'absence d'évaluation de ses capacités mentales avant le procès. Cette décision a permis à Tate d'accepter l'accord de plaidoyer qu'il avait refusé auparavant. Par la suite, il a été libéré après avoir été assigné à résidence pendant un an et soumis à une période de probation de 10 ans. Le 23 mai 2005, Tate a été accusé de cambriolage à main armée avec coups et blessures, de volume à main armée et de violation de la probation, comme l'a rapporté le bureau du shérif du comté de Broward. Tate a confronté Walter Ernest Gallardo, un livreur de Domino's Pizza, brandissant une arme de poing à l'extérieur de l'appartement d'un ami suite à une commande téléphonique. Gallardo a laissé tomber les quatre pizzas et a quitté précipitamment les lieux. Par la suite, Tate est revenu dans l'appartement et a agressé l'un des occupants qui n'a pas apprécié sa présence. Gallardo a rapidement composé le 911 en arrivant au magasin Domino's et a ensuite identifié Tate. Cependant, les forces de l'ordre n'ont pas pu retrouver l'arme à feu en question, comme l'a indiqué le bureau du shérif. Le 1er mars 2006, Tate a opté pour une négociation de peine et a été condamné à une peine de 30 ans de prison, le prononcé de la sentence étant prévu pour avril 2006. Tate a reconnu avoir violé sa mise à l'épreuve en possédant une arme à feu lors du volume avec violence du 23 mai, mais il a refusé de donner des détails sur l'acquisition et l'élimination de l'arme. Bien qu'il soit revenu sur son plaidoyer de culpabilité pour le volume, il a finalement été condamné à une peine de 30 ans de prison le 18 mai 2006, spécifiquement pour avoir violé sa mise à l'épreuve. La cour d'appel du 4e district de Floride a confirmé cette peine le 24 octobre 2007. Par la suite, le 19 février 2008, Tate a plaidé non coupable pour l'accusation de volume qualifié et a été condamné à 10 ans de prison d'État. Cette peine devait être exécutée en même temps que la peine de 30 ans qu'il avait déjà purgée pour violation de la probation. À l'heure actuelle, Tate est incarcéré à l'établissement pénitentiaire de Charlotte. John Venables et Robert Thompson, James Patrick Bulger, un garçon de 2 ans, a été enlevé, torturé et assassiné par deux garçons de 10 ans, Robert Thompson et John Venables. Les garçons ont été observés sur la télévision en circuit fermé au centre commercial New Strand à Bootle, choisissant apparemment une cible parmi les enfants présents. Ils faisaient l'école buissonnière et avaient volé des articles à l'étalage tout au long de la journée. James Bulger, qui était avec sa mère au centre commercial, a été pris par Thompson et Venables après qu'il se soit approché de lui et l'ait emmené loin du centre commercial. Ce moment a été filmé par la télévision en circuit fermé à 3h42 minutes. Les garçons ont ensuite emmené James jusqu'au canal de Leeds et Liverpool, où ils l'ont fait tomber sur la tête et l'ont blessé au visage. Des témoins ont rapporté que James était visiblement bouleversé et qu'il pleurait. Après avoir conduit James Bulger jusqu'à une voie ferrée, Thompson et Venables ont tenté de maquiller sa mort en accident en le plaçant sur la voie ferrée avec des gravats pour peser sur sa tête, dans l'espoir qu'il soit heurté par un train. Tragiquement, le corps de James a effectivement été heurté par un train, entraînant sa mort. Son corps découpé a été découvert quelques jours plus tard par un groupe d'enfants. Cependant, un médecin légiste a déterminé que Bulger était mort avant d'être heurté par le train. L'enquête a également fait apparaître des soupçons d'agression sexuelle, car les vêtements de James avaient été retirés, et certains aspects de ses blessures indiquaient que le crime pouvait comporter des éléments sexuels. Lorsque les autorités ont posé des questions sur cet aspect de l'attaque, Thompson et Venables ont été réticents à fournir des détails. L'affaire a connu un tournant décisif lorsqu'une femme a reconnu Venables sur des images légèrement améliorées diffusées à la télévision nationale. Elle se souvenait l'avoir vu avec Thompson dans la région de Bootle le jour de l'enlèvement. Par la suite, ils ont été reconnus coupables du meurtre de James Bulger le 24 novembre 1980-93, alors qu'ils étaient âgés de 11 ans. Ce verdict a fait d'eux les plus jeunes meurtriers condamnés du XXe siècle. Le procès s'est déroulé au tribunal de Preston. Lors du prononcé de la sentence, le juge Morland a fermement condamné leurs actes, décrivant le crime comme un acte d'une méchanceté et d'une barbarie sans pareille. Il a qualifié leur conduite d'astucieuse et de malfaisante. Dans ses conclusions, le juge Morland a ordonné que Thompson et Venables soient détenus au bon vouloir de Sa Majesté, ce qui signifie essentiellement une période de détention indéfinie sans date de fin précise. Le juge a recommandé qu'ils soient maintenus en détention pour une durée considérable et non spécifiée, déclarant qu'ils devraient être emprisonnés pour de très, très nombreuses années à venir. Après leur condamnation, Robert Thompson et John Venables ont été placés dans des unités de soins sécurisées distinctes pour jeunes délinquants. Thompson a été placé au Barton Moss Secure Care Center à Manchester,
tandis que Venable a été détenu à Vardy House, une petite unité de 8 lits au sein de l'unité sécurisée de Red Bank à Sandseas. Lieux n'ont été rendus publics qu'après la libération des garçons. Pendant leur détention, des registres détaillés de la vie quotidienne de Thompson et de Venable ont été tenus. Ces registres, connus sous le nom de feuilles de route, étaient établis deux fois par jour et contenaient des informations sur leurs activités et leurs comportements. Les registres étaient signés par les membres du personnel qui consignaient l'information et étaient conservés dans les unités respectives. Des copies de CES registres étaient envoyées aux fonctionnaires de Whitehall. Pendant leur détention, les garçons ont été éduqués et ont bénéficié de possibilités de réinsertion. Ils ont également reçu l'instruction de dissimuler leur véritable identité et la nature du crime qu'ils avaient commis. Les familles de Thompson et de Venable sont restées en contact avec eux pendant leur détention. Les parents de Venable lui ont rendu visite régulièrement à Red Bank, tout comme la mère de Thompson qui lui rendait visite tous les trois jours à Barton Moss. Malgré les difficultés initiales, les rapports indiquent que Venable a fait des progrès pendant son séjour à Red Bank, ce qui lui a permis d'y achever la totalité de sa peine de détention de 8 ans. Il est noté que Venable a souffert d'un syndrome de stress post-traumatique, SSPT, avec des cauchemars et des flashbacks liés au meurtre. Après sa libération en 2001, à l'âge de 17 ans, des allégations sont apparues selon lesquelles il aurait eu des relations sexuelles avec une employée de l'unité sécurisée de Red Bank où il était détenu. Ces allégations ont été rendues publiques dans un article du Sunday Times Magazine et dans un documentaire de la BBC. L'employé a été suspendu et a fait l'objet d'une enquête pour inconduite sexuelle. Venable a commencé à vivre de manière indépendante en mars 2002. Il a entamé une relation avec une femme qui avait un jeune enfant. Et il n'est pas certain que son implication dans les images d'abus d'enfants ait commencé pendant cette période. Il nie toutefois avoir jamais rencontré l'enfant. Au fil des ans, il a eu une série de relations avec des femmes plus jeunes, ce qui a donné lieu à des spéculations sur le fait qu'il pourrait être en train de vivre un retard d'adolescence. Malgré des périodes de surveillance apparemment réduites, le comportement de Venable est devenu de plus en plus problématique. Il buvait de manière excessive, consommait des drogues et téléchargeait des images d'enfants maltraités. Il a également enfreint les conditions de sa libération conditionnelle en se rendant dans le Merseyside et a été arrêté pour outrage à la pudeur après une altercation dans une boîte de nuit. Il a invoqué la légitime défense et les charges ont été abandonnées après qu'il a suivi un cours de sensibilisation à l'alcool. Par la suite, il a été trouvé en possession de cocaïne, CE, qui a entraîné l'imposition d'un couvre-feu. Pendant cette période, Venables a révélé sa véritable identité à quelques personnes, ce qui constitue une violation des conditions de sa libération conditionnelle. Le 21 juin 2010, Venable a été accusé de possession et de distribution d'images indécentes d'enfants. Il a été accusé d'avoir téléchargé 57 images de ce type sur une période d'un an et d'avoir permis à d'autres personnes d'accéder aux fichiers via un réseau peer-to-peer. Venable a plaidé coupable et, le 23 juillet, a comparu par liaison vidéo à l'Old Bailey pour une audience. Il a été condamné à 2 ans de prison après avoir reconnu avoir téléchargé et distribué de la pornographie enfantine. Au cours de l'audience, il a été révélé que Venable s'était fait passer en ligne pour une femme mariée nommée Dawn Doney Smith, prétendant abuser de sa fille et cherchant à se procurer d'autres documents relatifs à des abus sexuels sur des enfants. Venable avait également tenté de détruire le disque dur de son ordinateur lorsqu'il avait craint que sa nouvelle identité ait été compromise. Le juge David Bean a décidé que la nouvelle identité de Venable resterait cachée, mais les médias ont été autorisés à mentionner qu'il vivait dans le Cheshire au moment de son arrestation. Le tribunal a également appris que M. Venables avait été arrêté pour outrage à agent en 2008 et avait reçu un avertissement pour possession de cocaïne plus tard dans l'année. Ses démêlés avec la justice n'allaient pas s'arrêter là. Jasmine Richardson. Le 23 avril 2006 à 13h, les corps sans vie de Mark Richardson, âgé de 32 ans, et de sa femme, Debra Richardson, âgée de 48 ans, ont été retrouvés au niveau inférieur de leur résidence. Leur fils de 8 ans, Tyler Jacob, a été tragiquement retrouvé mort à l'étage supérieur. Leur fille de 12 ans, Jasmine, était absente à ce moment-là. Selon les amis de Jasmine, celle-ci entretenait une relation avec Steinke, qui était beaucoup plus âgé qu'elle. Ils ne l'approuvèrent pas, et ses parents l'avaient même privée de sortie à cause de sa relation avec Steinke. La nature troublée de Steinke était évidente. Ses amis ayant raconté qu'il se présentait souvent comme un vampire vieux de 300 ans, ayant un penchant pour le goût du sang. Un symbole tangible de cette identité était une fiole de sang qu'il portait constamment autour du cou. Il est intéressant de noter que la présence en ligne de Steinke reflétait sa personnalité de vampire. Il avait un profil sur le site vampirefreaks.com, où l'on pense qu'il a croisé le chemin de Jasmine, qui était également présente sur le même site. Curieusement, une personne connaissant bien l'histoire de Steinke a révélé que la première rencontre du couple avait eu lieu lors d'un concert de punk rock dans les premiers mois de 2006. Leur relation s'est étendue à Nexopia, une plateforme en ligne très populaire auprès des jeunes Canadiens.
Sur cette plateforme, leurs interactions sont devenues publiques grâce aux messages qu'ils ont échangés. Toutefois, ces interactions ont finalement été supprimées par les administrateurs de la plateforme, occultant ainsi les détails de leur première connexion. Le profil de Jasmine utilisait le pseudonyme « Runaway Devil », indiquait faussement son âge, 15 ans, et se terminait par une phrase inquiétante « Welcome to my tragic end », bienvenue à ma fin tragique. Dans les heures qui ont précédé les meurtres, Steinke et quelques amis auraient regardé le film « Natural Born Killers » de 1994, qui raconte la folie meurtrière d'un jeune couple. Steinke a suggéré à ses amis que lui et Jasmine devraient adopter une approche similaire dans leur plan, à l'exception de son jeune frère. En outre, Steinke a déclaré à un agent infiltré « Avez-vous déjà vu le film Natural Born Killers ? Je crois que c'est l'histoire d'amour ultime de tous les temps. Dans un premier temps, on s'est inquiété du bien-être de Jasmine, soupçonnée d'être impliquée dans l'incident. Cependant, le lendemain, Jasmine et son petit ami de 23 ans, Jeremy Alan Steinke, ont été appréhendés à Leader, en Saskatchewan, à environ 130 km du domicile familial. Les deux individus ont été inculpés pour le triple homicide. Après l'arrestation, le même jour, Steinke a demandé Jasmine en mariage, offre qu'elle a acceptée. À la suite de ces événements, le 3 mai 2006, une autre personne, Casey Lancaster, âgée de 19 ans, a également été inculpée dans le cadre de cette affaire. Elle est accusée d'avoir aidé Steinke et Jasmine en les transportant dans sa camionnette et en les aidant à se débarrasser des preuves. En vertu des dispositions de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents au Canada, l'identité de Madame Richardson a été protégée contre la publication une fois qu'elle est devenue suspecte. La loi stipule également que l'âge minimum auquel une personne peut être accusée d'un crime est de 12 ans. Les délinquants qui étaient âgés de moins de 14 ans au moment où ils ont commis un crime ne peuvent être condamnés à des peines pour adultes et sont passibles d'une peine maximale de 10 ans. Le 9 juillet 2007, Madame Richardson, qui avait alors 13 ans, a été reconnue coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, ce qui constitue un précédent juridique important. Elle a la particularité d'être la plus jeune personne au Canada à être condamnée pour plusieurs meurtres. Le 8 novembre 2007, elle a été condamnée à la peine maximale possible pour son âge, soit 10 ans d'emprisonnement en vertu de la loi. Cette peine tient compte des 18 mois qu'elle a déjà passés en détention. Son emprisonnement devait être suivi de 4 ans dans un établissement psychiatrique et de 4 ans et demi supplémentaires sous surveillance dans la communauté. À l'automne 2011, après avoir passé 10 ans dans un hôpital psychiatrique, Madame Richardson a commencé à suivre des cours à l'Université Mount Royal de Calgary, en Alberta, pendant la dernière phase de sa peine. Elle a été libérée de sa peine de 10 ans en mai 2016, à la suite d'un examen final de sa peine le 6 mai 2016. Cela a marqué la fin de sa peine et elle a été libérée de toute obligation, limitation ou supervision ordonnée par le tribunal. En octobre 2012, ses progrès en matière de réadaptation ont été jugés positifs et les experts ont reconnu qu'elle exprimait des remords sincères pour ses actes. Voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez aimée, cliquez sur l'une des cartes sur votre écran pour regarder des vidéos similaires.